Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit votre partage de là où vous êtes. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez très, très, très bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, tel que je vous l'avais annoncé, depuis déjà un jour. Alléluia. Et j'espère, vous bénir ce soir. Bonsoir, bonsoir de là où vous êtes. Shalom, shalom. Que la grâce de notre Jésus soit votre partage. Maintenant, vous êtes très nombreux à vous connecter, vous êtes très nombreux à nous suivre. Soyez bénis de là où vous êtes, au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, nous allons faire quelque chose rapidement. C'est d'aller au bas de notre écran, aller au bas de vos écrans, là où il y a la notification partagée. Vous allez partager à tous vos amis, partager à tous vos groupes. Vous avez des groupes WhatsApp, vous avez des groupes Facebook, vous avez des groupes Messenger, même dans vos contacts personnels, de partout là où vous êtes, vous pouvez maintenant m'aider à partager. Et lorsque nous serons dans les 500 personnes, je ne serai pas long ce soir, tel que je vous l'ai dit hier. Je prendrai le peu de temps que vous allez m'accorder afin, voilà, de vous décliner ce pourquoi je me suis connecté à l'aide de mon portable. Ce soir, vous êtes déjà très nombreux à nous suivre. Soyez bénis, soyez bénis. Appuyez sur des cœurs, rien que sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs et des j'aime pour sécuriser le live. Appuyons sur des cœurs et des j'aime pour sécuriser le live. Alors, je profite aussi de l'occasion pour saluer déjà des personnes qui sont connectées depuis déjà. Nous commençons le live à peine une minute, plus de 300 personnes connectées. Je tiens à saluer Mamoudi M, sois béni. Edwige Jada, sois béni. Mi de 26, sois béni. Mariam Gozi, sois béni. Chelsea Maloubi, sois béni. Clarisse Abégé Sono, sois béni. Pulchéri, sois béni. Mena Adjou, sois béni de là où tu es. Gelo Djoboro, sois béni. Landriana Piga de Lipenge, sois béni. Solange Komba, sois béni. Van Fistewad, Shalom, sois béni. Mara Minko, c'est depuis Libreville, sois béni. Maman Hardy Mamadou, la mairesse, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, faites-moi signe si vous me recevez très bien, si le live passe très, 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 très bien. Alors, faites-moi signe, un petit problème de réseau, un petit problème de connexion. Alors, faites-moi signe si vous me recevez 5 sur 5, ouvrez un peu ici, s'il vous plaît. Si vous me recevez 5 sur 5, faites-moi signe, faites-moi signe. Vous savez, je suis dans une ville là où c'est un peu compliqué en termes des réseaux, mais j'espère par la grâce de Dieu que voilà, ce live passera bien, ce live passera 5 sur 5. Adorateur Mélodie Van, Shalom, Andriana Boma, Shalom, Melikian, Ansam, Shalom, ça passe très bien, Daddy. Bernadette Obam me reçoit 5 sur 5, Dakofi me reçoit, Eyenassi me reçoit. Landriana me reçoit. Alors, maximum de partage, partageons, partageons, partageons. Et à 500 personnes, je prends la parole, je parle. Je ne serai pas long ce soir. Vous avez écouté beaucoup de choses. Vous êtes beaucoup, vous êtes très nombreux à nous suivre sur cette page, à suivre nos programmes, à suivre ce que nous faisons. Merci de partager, merci de partager. Permettez-moi, s'il vous plaît, pasteur, veuillez ouvrir la porte principale. Vous permettre de mieux émettre. Alors, soyez bénis, appuyons sur des cœurs et sur des cœurs. Alors, je devais présider, il y a de cela 2 heures en arrière, une réunion sur Zoom, mais malheureusement, à cause des problèmes liés aux coupures. Pour ceux qui sont à Libreville actuellement, vous allez constater qu'il y a une très grande coupure dans le Grand Libreville. Il y a des secteurs là où l'électricité vient de se rétablir, mais il y a d'autres secteurs encore, des personnes qui sont dans le noir et qui n'arrivent même pas encore à se connecter pour nous suivre. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ça passe, on t'entend très bien, dit Sandrine Ney. Félicia est faillant, Shalom papa, c'est 5 sur 5, c'est bon. Jessica épouse Avenin Domina. Sois bénie au nom de Jésus. Emmanuela Kabinda Forson, sois bénie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alors, maximum de partage, partagez dans tous vos groupes, partagez à des amis, partagez à des bien-aimés. Ok, Dani est bon, Shalom, 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 Shalom. Soyez bénis, pasteur Miguel Douga, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alors, bien-aimé, je fais spécialement ce live pour. Ok, voilà. Deliska Amanda dit elle me reste 5 sur 5. Voilà, il y avait quelques problèmes de lumière. Je crois que tout est en train de se. Voilà, tout est en train de mieux passer ici. Évangéliste Rich, Para, soyez bénis. Alors, j'ai fait le direct ce soir suite à l'annonce que je fais passer hier sur la page. J'ai vu nombreux de vos commentaires, j'ai vu vos notifications, j'ai suivi vos conseils, tout, tout, tout et tout. Voilà, donc je disais comme ça, faire un direct afin de démentir sur, voilà, sur certaines accusations qui sont relayées contre ma personne depuis un temps. Vous savez, on dit souvent la mauvaise nouvelle va plus vite que la bonne nouvelle. Et on dit toujours, le mauvais témoignage n'a aucun poids. Le mauvais témoignage n'a aucun poids, mais le bon témoignage semble toujours peser dans nos bouches. Vous savez, nous sommes dans un monde qui a des lois, un monde là où on retrouve les êtres humains. Il y a plusieurs types d'êtres humains, selon leur culture, selon leurs origines, selon leur mentalité et leurs valeurs. Donc, nous ne pouvons pas forcément imposer les autres d'être ce que nous sommes. Parce que l'intellectualisme, c'est aussi la capacité de reconnaître que dans la société, tous ne doivent pas être comme nous. L'intellectualisme, c'est aussi le fait de reconnaître que dans la société, nous ne sommes pas tous appelés à être les mêmes. Et bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Soyez bénis, partagez le live, invitez les amis, invitez les amis, invitez les amis. Est-ce que le live a été scrospoté? Est-ce que le live a été scrospoté sur nos différentes pages? Est-ce que le live a été scrospoté? Voilà. Est-ce que le live a été scrospoté sur nos différentes pages? Est-ce que vous me recevez sur la page Prophète Emmanuel? Est-ce que vous me recevez sur la page Prophète Emmanuel Nzoma? Est-ce que vous me recevez sur la page Prophète Emmanuel? Alors, je vous permets, pendant une minute, s'il y a une personne qui peut aller guetter rapidement sur la page Prophète Emmanuel Thomas, afin de voir si le live passe là-bas et vous me ferez signe. Parce que là, je travaille avec un portable, donc je n'ai pas eu le temps voilà, de le charger tout à l'heure. Je suis ici à Franceville, c'est une zone très retirée avec les problèmes de réseau. Alors, pour ne pas perdre le fil de l'idée, je disais, nous sommes dans un monde où nous ne pouvons pas imposer tout le monde à être ce que nous sommes. Et durant ces temps, je vais vous dire ce pourquoi je prends la parole aujourd'hui et vous serez bénis. Permettez-moi de prier. Dieu Père Saint, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le troisième jour, qui nous dit en Matthieu 5, verset 44, mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et qui vous persécutent, afin d'être appelés fils de Dieu. Seigneur Père, tu nous demandes de nous aimer, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais avec la nouvelle alliance, avec la dispensation de la grâce, tu ne nous demandes plus seulement d'aimer les uns ou les autres comme on s'aime soi-même, mais plutôt de les aimer en fonction de l'amour que tu portes pour eux. Seigneur, je te bénis, je te donne toute la gloire parce que je sais que ce soir, tu m'animes d'un esprit d'amour, tu m'animes d'un esprit de sagesse afin d'éclairer la lanterne de toutes les personnes qui sont connectées maintenant ici. Seigneur, que durant ce temps, Seigneur, le diable ne trouve pas à distraire l'âme de tout un chacun. Car nous sommes en fin d'année, assurément tes enfants sont concentrés dans les programmes. Personne ne veut rentrer, Seigneur Père, dans la distraction, ne veut se connecter dans des sujets qui pourraient distraire leur âme. Mais Seigneur, que durant ces temps, Seigneur Père, tu trouves à fortifier beaucoup de personnes qui certes passent par cette situation et qui sont désemparées aujourd'hui. À toi seul soit la gloire, l'honneur, c'est au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Shalom, soyez bénis. Alors faites-moi signe sur, si le live a été scrospoté sur la page Prophète Emmanuel Nzoma. Faites-moi signe si le live a été scrospoté sur la page Prophète. Ok, non, le live ne passe pas là-bas. Ok, c'est pas possible. Non, le live ne passe pas là-bas. Alors, vérifiez rapidement. Est-ce que le live a été scrospoté sur la page Prophète Emmanuel Nzoma? Non, pas encore, papa. Ok, non, pas encore, non, pas encore, non, pas encore, non, pas encore. Pas de live sur l'autre page. C'est que le technicien n'a pas encore scrospoté.
demander au technicien de faire le scospotage. Je lui ai dit, certainement, voilà, il fait face aussi à des problèmes de réseau. Non, ça ne passe pas, Daddy. Ok, merci. Jessica épouse Dombina. Non, ça passe pas encore. Pas encore, pas encore, pas encore. Mais alors, donc, vous qui êtes déjà sur la page, c'est bien déjà d'avoir ce nombre-là. Donc, allez-y partager. Partager, appuyer sur des cœurs. Appuyer, appuyer sur des cœurs. Des cœurs et des j'aime. Partager au maximum. Inviter des amis. Partager, 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 partager. Partager, 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 partager et partager. Car ce soir, par la grâce de Dieu, voilà, Dieu nous fera du bien. Alors, je disais ceci pour ne pas perdre le fil des idées. Je vais aller droit au but afin d'éclairer la lanterne de tout un chacun. Il y a de cela quelques temps en arrière, quelques jours en arrière, voilà. Il y a des messages comme ça qui sont un peu relayés dans les différents groupes WhatsApp sur ma personne. Vous savez, la sagesse, c'est la capacité de se taire. La sagesse, c'est la capacité de ne rien dire, surtout lorsque c'est inutile. Mais bien aimé dans le Seigneur, la sagesse, c'est aussi la capacité de pouvoir donner ton avis. Lorsqu'on t'amène dans un tribunal, c'est pas le silence qui va te donner raison. Au tribunal, tu as besoin de t'exprimer. Au tribunal, tu as besoin de donner ton mot. Parce qu'on dit qu'il ne dit mot qu'en sang. Et bien aimé dans le Seigneur, alors le but pour lequel je prends la parole ce soir, vous allez remarquer que voilà, rares sont les fois où je prends la parole pour au niveau des maturités spirituelles où nous sommes, on sait plus ou moins gérer les pressions, gérer les tensions. Donc, on n'a pas autant besoin de vouloir se justifier tous les jours. Mais lorsque le Seigneur nous ordonne, lorsque le Seigneur nous permet de le faire, alors bien-aimés, nous ne devons pas hésiter de le faire. Mais nous devons le faire dans la sagesse. Nous devons le faire dans l'intelligence et dans le discernement des esprits surtout. Sachant que nous avons une mission principale qui est de sauver les âmes, une mission principale qui consiste à ne pas distraire des personnes. Et bien-aimés dans le Seigneur, pour des personnes qui sont certainement connectées sur WhatsApp ou qui sont connectées sur Facebook, ont eu vent d'un message relayé par un homme conscient. D'après moi, un homme conscient qui dit ceci, je vais citer, on m'a même envoyé le message ici, là, en lecture. Vraiment, c'était un peu très, très, très décevant de le lire. Ça ne m'a pas vraiment fait mal, mais en fait, ça m'a amené à comprendre la profondeur, en fait, du cœur de l'être humain et voilà, à quoi l'être humain est capable. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne vais pas m'attarder sur des détails. Alors, pour ceux qui ont vu le message, il y a un message qui circule sur la toile. Deux messages même qui circulent sur la toile. Le premier message, c'est que le prophète Emmanuel Djoma serait enfermé. Je ne trouve pas l'utilité d'en parler ici, vu que je suis là devant vous, vu que je me porte bien, je suis en bonne santé ici. Alléluia. Si je fais ce live, c'est pour vous. Je fais ce live pour vous qui m'aimez, pour vous qui me suivez, pour vous qui priez nuit et jour pour moi, afin d'éclairer votre lanterne. Alléluia, parce qu'il y a ceux souvent qui ont la foi fragile et qui peuvent céder facilement aux ruses de l'ennemi. Donc le premier message, ce serait du genre, moi le prophète Emmanuel, je suis enfermé. Actuellement, je suis dans une cellule. On m'aurait attrapé parce que j'aurais escroqué un monsieur une somme d'argent de tant de millions. Parfois, j'entends 10 millions. Parfois, c'est 20 millions. Parfois, c'est 40 millions. Parfois c'est 50 millions. Alors, voilà. Tant que tu es conscient que l'éléphant n'a pas des ailes, écoute bien ça. Tant que tu es conscient que l'éléphant n'a pas des ailes, tu ne consommeras jamais le mensonge de croire qu'on a vu un éléphant voler autour de ta maison. J'insiste et je persiste. Tant que l'éléphant n'a pas des ailes, tu ne consommeras jamais le fait qu'on te dise, on a croisé un éléphant qui est en train de s'envoler dehors. À un moment donné, des maturités spirituelles, lorsqu'on est conscient de certaines choses, il y a des choses qu'il faut croire, il y a des choses qu'il ne faut plus croire. Du moment où vous me voyez ici, c'est une preuve qui vous montre déjà que le prophète se porte bien, que le prophète est en face de vous, que le prophète parle avec vous. Mais je vais plus m'attarder sur le deuxième message. Je ne serai pas long. Le deuxième message, il y a un monsieur depuis un temps qui relaye sur les différentes pages Facebook. Un monsieur nommé X. Voilà, un monsieur nommé X. Je ne vais pas faire sortir son nom ici dans mon direct.
X, je ne sais pas si c'est son vrai nom, je ne sais pas si c'est une fausse identité, parce qu'il y a souvent des arnaqueurs qui s'amusent avec mon nom. Donc, il m'a été transmis une vidéo de la part de mes membres de la communication, de mes fils, disant ceci, papa, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Donc, j'essaye d'écouter le contenu et je me rends compte que le monsieur est en train de raconter ceci. Le prophète Emmanuel, j'aimerais attirer l'attention de tous les fidèles du prophète Emmanuel, de tous ceux qui prient chez le prophète Emmanuel. Ce prophète serait un menteur, serait un escroc, serait voilà, quelqu'un qui s'amuse avec les esprits des gens. En effet, ce monsieur va être victime d'une prophétie à l'église. C'était donné un dimanche. Ce monsieur va être victime d'une prophétie. Et après la prophétie, le monsieur va aller raconter un peu partout que lui et moi, on s'était vu pour un arrangement. Mais d'après le message, le monsieur raconte que lui, il m'a appelé ou je l'ai appelé, je ne sais même plus bien. Voilà, je l'ai appelé. Et lorsque je l'ai appelé, j'ai demandé au monsieur de me raconter tous ses problèmes. Raconter, raconter. Donc le monsieur a commencé à me raconter ses problèmes. D'après ce qu'il a écrit, il a raconté voilà, les problèmes de sa famille. Il a raconté, raconté, raconté. Avant de continuer, aidez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que le live a été scospoté sur la page Prophète Emmanuel Nzoma? Est-ce que le live a été scospoté? Vous qui êtes là-bas, est-ce que le live a été scospoté sur la page Prophète Emmanuel Nzoma? J'ai vraiment besoin que ça soit scospoté parce que la page Église Synagogue est restreinte. Donc, s'il y a des milliers de personnes qui veulent nous suivre, ne pourront pas nous suivre à cause de la restriction du nombre de personnes. Voilà, je disais ceci. Donc, le monsieur a raconté ceci parce que j'ai d'abord vu la vidéo. Le monsieur a bien parlé. Et ce qui m'a étonné, c'est le fait de savoir que, un, effectivement, je reconnaissais que j'avais prophétisé pour ce monsieur. J'avais prophétisé le dimanche pour ce monsieur, pour ceux qui ont suivi mon programme. Ils ont vu à la dernière heure du programme, je vais faire appel à un monsieur. Et lorsque je fais appel au monsieur, je dis, monsieur, voilà. Voilà. Je dis, monsieur, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer. Je suis en train de recevoir. Je vais répéter ce que je faisais ce jour. Je suis en train de voir voilà, dans le lieu, parce qu'il y avait plus de 15 000 personnes réunies. Je suis en train de voir dans le lieu un monsieur qui s'appelle tel. J'ai même oublié le nom, tellement ils sont beaucoup dans mon esprit. Mais je crois que le monsieur porte le nom de Alia, entre parenthèses Alia. Le nom que je donne dans la prophétie, c'était Alia. Je ne sais pas si c'est le même nom relayé sur les réseaux sociaux, mais c'est le même visage. Parce que j'ai essayé de prendre la prophétie où j'ai prophétisé pour lui, j'ai essayé de prendre la vidéo, j'ai comparé. Je me rends compte que c'est la même personne. Et bien aimé, donc je disais ceci, je vois un monsieur, et le monsieur porte le nom de Alia. Monsieur, tu viens ici pour la toute première des fois. Tu n'étais pas là hier, tu n'étais pas là avant-hier, mais tu viens pour la première des fois. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'avant d'être ici, tu étais dans une réunion mystique. Voici le contenu de la prophétie. Tu étais dans une réunion mystique. Et j'ai clairement dit, c'est une réunion de pratique. J'ai fait sortir le thème de sorcellerie. Et j'étais vu dans cette réunion, mais c'était du côté de Franceville. Et tu viens même à peine d'arriver ici. J'ai posé la question au monsieur, c'était devant vous. Monsieur, ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Le monsieur a ouvert sa bouche, il a dit, c'est vrai prophète, c'est vrai prophète. Et je disais ceci, je vois que dans mon esprit, on t'a envoyé pour venir m'observer ici, pour observer les faits et gestes, voir tout ce qui se passe ici. C'est vrai ou c'est faux? Le monsieur a confirmé. Bon, blablabla, vous connaissez ceci. Mais après, ce monsieur, voilà, va aller raconter sur les réseaux sociaux que non, le prophète, on se connaît, on ne s'est pas arrangé comme ça. Ceci, c'est là, le prophète a tourné la chose contre moi. Et puis. Donc, pour ceux qui sont sages et intelligents, vous comprenez un peu le fond de l'histoire. Voilà, il y a l'évangéliste Rich qui était témoin, tous vous étiez témoins, vous avez suivi ça sur Internet. Pour des personnes qui sont intelligentes, qui comprennent déjà le fond de l'histoire, comprennent qu'il y a un problème. Mais je n'aimerais pas m'attarder sur le problème, si c'est vrai ou c'est faux, c'est si, c'est là, vous êtes mature. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris lorsque le monsieur va faire la vidéo. Je suis un homme de Dieu, je porte les valeurs, je transporte les valeurs. Le but pour moi de faire ce live, ce n'est pas de condamner la personne. Non, 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 non. Parce que je sais que ce n'est pas la personne au fond qui le fait. L'Esprit de Dieu m'a montré ce qui se passe. M'a montré dans les profondeurs et m'a montré dans les détails ce qui se passe. Je n'ai pas compris le fait que le monsieur faisant la vidéo sur Facebook va se permettre de faire la vidéo sur une page religieuse. Je me suis posé la question de savoir,
Mais toi, tu as affaire contre X. Et pourquoi, pour dénoncer le X là, tu es obligé de faire la vidéo sur une page d'une église catholique? Et j'ai dit clairement, c'est une page d'une église catholique au niveau de Mwanda. Pour des personnes qui ont vu la vidéo, pour des personnes qui ont suivi la vidéo, et je me suis posé la question de savoir si la vidéo là, si j'avais des problèmes véritablement contre le monsieur ou j'avais le problème contre l'église qui a fait la vidéo. Et bien aimé, pour ceux qui ont même regardé la vidéo, c'était sur une page Église Saint-Dominique de Mwanda. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous allez constater qu'ils ont supprimé la vidéo. Mais ici, je garde les captures d'écran. J'insiste. Ici, je garde les captures d'écran. Ici, je garde les captures d'écran de la vidéo qui a été publiée sur la page de l'Église catholique. Je ne comprends pas pourquoi un monsieur qui a un problème contre X va parler au nom d'une assemblée. Parce que lorsqu'on a une page Facebook au nom d'une église, c'est-à-dire que l'église représente la communauté, ça représente toute l'église. Donc, lorsqu'un individu vient parler là sur cette page, s'il veut régler les problèmes contre X ou Y, il n'a pas besoin de le faire sur la page qui représente toute une communauté, sur la page qui représente une entité spirituelle, une église. Pourquoi n'a-t-il pas fait cela à son nom? Pourquoi n'a-t-il pas fait cela sur sa page? Mais pourquoi il a fallu que ça passe sur... Excusez-moi, merci d'appuyer sur le cœur. Voilà, on me dit que le live vient d'être scospoté. Je crois que je vais pouvoir parler. On me dit que le live vient d'être scospoté. Alors, maximum de partages, partagez à vos frères, partagez à vos soeurs, partagez à vos bien-aimés. Et ce que je n'ai pas compris, c'est le fait que le monsieur va aller faire le live sur la page d'une église, la page de l'église catholique. Il y a Francine Pongue qui se dit, oui, j'ai suivi le direct. Alors, pour ceux qui sont sages, pour ceux qui sont intelligents, je n'aimerais pas dire le but, vous avez fait l'école, d'autres n'ont pas besoin d'être intelligents en faisant l'école. Pour ceux qui réfléchissent, savent bel et bien le fond de l'histoire et ce qui est en train de se passer. Donc, le monsieur va faire un direct sur Facebook, vidéo direct, sur la page d'une église, là où il dénonce, selon lui, que le prophète Emmanuel, voilà, le prophète Emmanuel, c'est ceci, méfiez-vous de ce prophète, ceci, cela. Vous savez, si on rentre dans le cadre de la justice, si on rentre dans le cadre de la loi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de diffamations là, il y a beaucoup de choses. Je vois ici Shirley Kate qui dit, il a été tout simplement instrumentalisé. Et bien aimé dans le Seigneur, alors je fais ce live, pas pour me justifier, pas pour crier, ou pas pour dire quoi que ce soit. Je fais ce live premièrement pour bénir le Seigneur pour ce qui se passe. J'ai béni le Seigneur pourquoi? Parce que c'est une prophétie dans ma vie. Il faut bien que je passe par cette période parce que Dieu m'a envoyé sur la terre pour passer par cette période. Dieu m'a envoyé sur la terre pour vivre ce genre de choses. Et si j'ai fait encore ce live, c'est pour attirer l'attention de toutes les personnes qui me suivent. Peu des oreilles aiment entendre la vérité, ce qui est vrai, mais plusieurs oreilles sont toujours dans les polémiques. Ceux qui me suivent, s'il vous plaît, je vous en prie, vous êtes tombés sur ce message. Je sais que ça fait beaucoup de débats dans vos groupes WhatsApp. Ça peut parfois même, ça peut même parfois entraîner des disputes ou encore des discordes entre vous. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que bien aimé dans le Seigneur, nous avons un combat. Et le combat que nous avons, c'est contre l'enfer. Le combat n'est pas de se diviser entre églises. Le combat n'est pas de se diviser entre chrétiens. Moi, mon but, l'Esprit de Dieu m'a dit dans cette saison, Emmanuel, je te suscite dans ton Gabon pour sauver les âmes perdues. Alors, si je rentre dans cette histoire, si je vais dans les profondeurs, si j'amène ce dossier-là loin, ce sera la honte pour l'Église. Parce que celui qui est catholique et celui qui est à la synagogue, ce sont des frères et des sœurs. Dieu ne connaît pas la différence des communautés. Tel est catholique et tel est ceci. Tel est dans l'église éveillée, il est ceci. Et bien aimé dans le Seigneur. C'est juste nos religions qui nous divisent. Mais sinon, nous sommes tous sous un même créateur. Nous avons tous le même Dieu. C'est honteux de constater qu'au niveau où nous sommes, il peut avoir des personnes qui sont très méchantes. Il peut avoir des chrétiens qui sont animés d'un esprit de méchanceté au point de salir l'image de quelqu'un. Mais au niveau où nous sommes, alléluia, nous bénissons le Seigneur parce que, voilà, nous sommes comme un tableau.
Tu viens, tu griffonnes sur nous, tu griffonnes sur nous. Ça bénéficie à l'intelligence d'une personne. Nous sommes comme un tableau. Viens griffonner, viens salir, viens faire ce que tu fais. Tant que ce que tu écris là, tant que ce que tu dis là est une expérience pour une personne, tant que ce que tu dis là fait atterrir une personne de la sagesse, est en train d'apprêter un futur prophète à affronter des persécutions, alors je t'invite encore à venir le faire. Je t'invite encore à venir le faire sans t'arrêter. Alors bien aimé, donc je voulais attirer votre attention sur toutes ces choses. Je sais qu'il y en aura des plus grandes choses. Il y a des personnes qui m'ont écrit hier pour dire, prophète, si tu te plains aujourd'hui, que feras-tu demain? Non, je ne me plains pas ici. Je suis juste en train de vous fortifier parce que quand je suis touché, ce n'est pas seulement moi qui suis touché, c'est vous qui êtes touché. Si on dit quelque chose de mauvais, ce n'est pas seulement sur moi, mais c'est sur vous aussi qui êtes dans la communauté. Alors, voici la conduite à tenir. Nous allons garder la sagesse. Nous allons rester tranquilles et nous allons mettre nos genoux à terre. Nous allons prier. Nous allons prier pour la repentance de tous ceux qui sont contre nous, pour la repentance de toutes les personnes qui combattent l'œuvre de Dieu, pour la repentance de toutes les personnes qui sont animées d'un esprit d'incrédulité et bien aimées dans le Seigneur. J'aimerais vous dire, il y a plus important à faire, il y a plus important à parler. Je ne viens pas ici pour me justifier. Je suis juste venu éclairer l'enterre de tout un chacun afin de dire nous avons un combat, nous avons une cible. Et cette cible, c'est qui? C'est Satan, c'est le diable. Ce qui a commencé à Mwanda était comme un détonateur, c'est un réveil. Les gens sont en éveil à Mwanda. Excusez-moi, sans toute humilité, c'est du jamais vu. Même dans un meeting politique, rassembler autant de personnes, c'est du jamais vu. Donc ça ne m'étonne pas ce que je vois. Ça ne m'étonne pas. Mais je me dis, à un moment donné, l'instrumentalisation doit sortir de l'église. La haine doit sortir de l'église. La jalousie doit sortir de l'église. Voilà. La jalousie doit sortir de l'église. L'ennemi du chrétien, c'est le chrétien lui-même. Ce n'est pas des païens qui quittent. C'est quelqu'un qui dit il est chrétien, qui vient, il s'assoit à l'église, on prophétise pour lui. Et il a été dépouillé au lieu de faire signe d'humilité. Il s'élève, oh my God, il s'élève et il part se soumettre. Lorsqu'on regarde l'histoire, vous êtes intelligent, vous connaissez le fond, je n'aimerais pas aborder. Ça, c'est trop perdre du temps et ça ne me rendra pas sage. Alléluia. Car il est dit ceci, écoutez, retenez cette sagesse. Il est dit ceci, que lorsqu'un sage parle dans le vide, il perd son énergie. Lorsqu'un sage parle dans le vide, il perd son énergie. Et tu vas constater qu'à force de te plaindre, c'est comme si tu t'épuisais. Mais lorsque tu gardes silence sur certaines situations, tu ressens au-dedans de toi un poids, tu ressens au-dedans de toi un charisme. C'est cette voie que je veux suivre. Bien-aimé, hier j'ai vu vos messages. Je suis allé sur la page de l'église, j'ai consulté des messages, des personnes qui m'ont dit « prophète, il y a mieux à faire. Prophète, à votre niveau, vous n'avez pas besoin de sortir pour vous exprimer sur des futilités. » Mais je le fais, c'est pour des personnes qui sont tombées sur ce genre de choses, pour des personnes qui ont une foi fragile, il faut parfois donner ton point de vue. Et en ce qui concerne le monsieur, j'aimerais clairement vous dire, je ne connais pas le monsieur. Ce monsieur, lui, on ne s'est jamais assis ensemble. On n'a jamais parlé ensemble. Je ne connais qui il est, je ne connais d'où il sort. Et je suis même étonné. Je l'ai connu, c'est dans la révélation du dimanche. Mais ce que je sais, c'est que là où est ce monsieur, même si ce monsieur suivra ce live, tant que je suis homme de Dieu et tant que Dieu me donne la capacité d'amener les âmes vers le Seigneur, c'est une brebis du Seigneur et ma mission, ce serait d'aller vers lui. C'est une brebis du Seigneur, ma mission, ce serait de lui prêcher l'évangile. Ma mission, c'est pas de mettre de la haine contre lui. Donc, c'est une brebis du Seigneur, c'est un frère, c'est ceci, c'est là, j'ai pas de haine et mon cœur est tellement libre. Et là où il est, j'aimerais pardonner. J'aimerais tout simplement pardonner et bénir le Seigneur pour ce qui arrive. J'insiste, j'aimerais pardonner et bénir le Seigneur pour ce qui arrive. Il ne peut pas avoir un grand ministère sans ces choses. Il ne peut pas avoir un grand ministère sans persécution. Alors, ce que je faisais ici, c'était juste pour éclairer l'enterre de tout un chacun, afin de dire, ne cédez pas aux ruses de l'ennemi, ne cédez pas aux tentations de l'ennemi. J'ai vu vos différents messages sur la page, j'ai vu la sagesse que vous avez, et c'est cette voie que je décide d'emprunter, de ne pas me plaindre, de ne pas crier, de ne faire aucun tapage. Il y a des personnes qui m'ont appelé, prophète, pourquoi tu ne portes pas plainte? C'est la diffamation, prophète, le fait...
qu'une personne qui est contre toi s'allie à plusieurs personnes pour salir ton image, c'est la diffamation, c'est de l'instrumentalisation. Il y a l'instrumentalisation derrière ceci, il y a des gens qui sont derrière ça, il y a tel système derrière ça. Tu es venu à Mwanda, tu as dénoncé certaines œuvres des franc-maçonneries, ceci, cela. Et je vous parle, j'ai même certaines preuves, je ne vous cache pas. Oui, j'ai même certaines preuves de ce que les personnes m'ont dit. C'est tombé à mes oreilles. Des gens qu'on a instrumentalisés, des gens qu'on a dit, ok, allez-y, portez plainte au prophète, faites ceci, allez-y, créez des histoires sur lui, ceci et cela. Dites tout ce que vous voulez. Ce que moi je sais, c'est que mon Dieu m'a demandé de pardonner. Ce que je sais, c'est que mon Dieu au ciel là-bas, il est un tribunal. Donc, je ne perdrai pas le temps d'aller dans un tribunal, de condamner les brebis du Seigneur. Donc, moi, j'ouvre mon cœur. Moi, j'aimerais prendre, j'aimerais travailler avec l'âme puissante du pardon. J'aimerais pardonner tout ce qui se passe. J'aimerais pardonner les faussetés. Parce que, d'après les dires, il paraît que le monsieur serait passé au niveau de l'église de Mwanda pour chercher à me rencontrer. Il serait même passé avec un présent. Je ne peux pas encore affirmer, c'est pourquoi je parle dans le conditionnel. Il serait passé avec des présents, avec des vêtements pour se chercher à me rencontrer. Il a été reçu par mon protocole. Il voulait me rencontrer. Je ne sais pas pour quel but. Je ne sais pas pourquoi exactement. Mais ce que je sais, c'est que je suis un homme de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu et je dois apprendre à pardonner. S'il y a des personnes qui me suivent, s'il y a des personnes qui sont derrière moi, ces personnes-là doivent tirer exemple de ce que je dis. Doivent tirer exemple de la sagesse qui sort en moi. Alors bien aimé, sachant qu'il y a mieux à faire, sachant qu'il y a beaucoup de choses à faire, j'aimerais maintenant attirer votre attention sur les priorités que nous avons. Nous sommes en train de terminer l'année. C'est vrai que cette année termine par... c'est vrai que cette année termine par beaucoup de persécutions, par beaucoup de choses. Mais j'ai béni le Seigneur, car dans cette persécution, il y a des bons témoignages qui ne font qu'arriver. Il y a des bonnes nouvelles qui ne font qu'arriver. Waouh, j'ai béni le Seigneur. Dans quelques semaines, de la même manière que je suis surpris maintenant, vous serez aussi surpris dans vos maisons. Alors, je voulais attirer votre attention sur le programme que nous sommes en train de faire. J'aimerais attirer votre attention sur le programme que nous sommes en train de faire. C'est un programme de jeûne et c'est un programme de prière. J'aimerais attirer l'attention de tout le monde de ne pas être distrait, de ne pas rentrer dans la distraction, de rester concentré et d'avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un objectif. L'Esprit de Dieu nous a demandé à partir de ce 14 décembre 2021 d'entamer un programme de jeûne de 12 jours. 12 jours intitulé « Seigneur, éloigne-moi de la mort, loin de ma famille ». Je crois que j'ai parlé sur l'esprit des morts, j'ai dénoncé les systèmes. Oh my God! J'ai dénoncé les systèmes terribles, les gens étaient là. Prophète, ne reviens plus sur ça, laisse déjà. Les gens étaient là et je connais un peu ce que ça a pu faire dans certains cœurs. Mais je ne suis pas en défi avec quelqu'un, je ne suis pas ennemi de quelqu'un, je suis juste un fils dans le pays, je suis juste un prophète que Dieu utilise. Je fais mon temps, alléluia, et je crois que Dieu va se manifester. Donc nous avons... nous avons un programme. Nous avons un programme. Ce programme-là, maman. Ce programme-là, papa. Écoute-moi bien. Tu dois le faire. C'est un programme de jeûne de 12 jours. Ce jeûne-là, alléluia, sera accompagné des actions prophétiques. Nous avons dit, tout le monde doit être muni d'une bouteille d'huile d'olive. Tout le monde doit être muni d'une bouteille d'huile d'olive. Tout le monde doit être muni d'une bouteille d'huile d'olive. Il y a des églises qui vont commencer le programme dès demain. Demain, ils vont se rassembler en église. Ils vont prier. Il y a d'autres qui vont se rassembler jeudi. Alléluia. Parce que l'annonce n'est pas passée en même temps. Alléluia. Il y a eu un peu des petits déphasages. Mais pour vous qui êtes ici, pour vous qui nous suivez sur Internet, pour vous qui nous suivez ici sur Facebook, j'aimerais vous donner la conduite à tenir sur le programme des jeûnes. J'aimerais vous donner la conduite à tenir sur le programme des jeûnes. C'est un jeûne de 12 jours. Voilà, Mano Akwangu, maman, mamima, vraiment, relaye cette information. J'aimerais que vous faites comme elle. Relayez l'information pour ceux qui lisent les commentaires. Relayez l'information. Jeûne, 12 jours de jeûne et prière pour posséder l'année 2022 à partir de ce 14 décembre. 12 jours de jeûne et prière pour posséder l'année 2022
à partir de ce 14 décembre. Donc, je crois, si j'ai bonne mémoire, nous sommes là au 20e, nous sommes déjà au 13. Donc, le 14, c'est à 24 heures. Nous sommes au 13, le 14, c'est à 24 heures. C'est ça? Vous pouvez m'aider, hein, s'il vous plaît. Nous sommes au 13, le 14, c'est à 24 heures. Nous sommes au 13, le 14, c'est à 24 heures. Donc, tout à l'heure, là, je vais dire dans 2-3 heures de temps, nous serons au 14 décembre. Donc, à compter de ce soir, normalement, nous devons déjà être dans un esprit de jeûne. Nous devons jeûner. Mais je tiens à m'excuser parce que dès le départ, j'avais préparé des personnes pour le mercredi à 23h59. Et je me suis rendu compte, nous sommes le 14 aujourd'hui, à partir du 14 décembre. Aujourd'hui, nous sommes au 13. Nous sommes au 14. Aïe, 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 s'il vous plaît, aidez-moi là, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous sommes au 20e. Nous sommes le 14. Waouh.